Salut à tous, donc c'est parti. Ouais, j'en étais à... Ah oui. Alors là, déjà, ça je m'en rappelle, il faut enfoncer les deux poteaux. Parce que je vais me voir. C'est-à-dire que l'icône d'enfoncer n'est pas très... ne veut absolument rien dire en fait. Voilà. Ouais, donc on s'est arrêté dans la statue de Gabomba. Gabombo. Non, Bomba. On s'en fout en fait. Donc voilà un petit bout. Si tu veux, il y a du fromage dans le frigo là. Hop. Donc ouais, niveau ennemi, on retrouve les mêmes que dans le 1. Il y en a quelques autres en plus. Bon, c'est pas exactement les mêmes, mais ils ressemblent. Il y en a quelques autres en plus. Mais dans l'ensemble, c'est les mêmes. Bon, il y a forcément d'autres en plus, puisque le jeu est beaucoup plus long. Et notamment des espèces de phénix qui donnent vraiment énormément d'XP. D'ailleurs, s'il y a un endroit dans le jeu pour s'entraîner et monter, faire du level up, c'est là-bas. Je ne sais plus exactement où c'est, je crois que c'est au Mont Magma, mais je sais pas. Mont Magma, c'est comme Rocher, Rocheux. Il y a Rocher, Rocheux, Mont Magma. Je sais plus comment il s'appelle le boss. Hein. Je pense pas que ce soit Mont Vénus. Bon, ouais. Donc ouais, là mon but c'est d'arrêter le truc. Là, ouais. On va pas par-ci par-là. Ah c'est con ça. On peut donc pas passer par là? Ah si, bah si. Voilà. Donc je vais passer par l'échelle qui se trouve ici. Hop là. Donc là, ouais. Toujours pas passer. Ah non, on peut pas en fait. Faut passer par. Non, j'ai fait de la merde. Donc ouais, une fois qu'on aura arrêté les trucs, on pourra. Non, en fait, ça les arrête pas, je suis con, ça inverse. Ça inverse le sens des engrenages. Ouais, c'est ça, ça inverse le sens. Et donc, les deux trucs là que vous voyez à droite là. Bon, là, on les voit pas, c'est pas grave. Ils seront dans l'autre sens. Bon, attendez, je vais d'abord passer par la gauche. Et du coup, ben, on pourra descendre par là et prendre le dune. Et continuer le truc. Ah, j'avais pas eu le coup. Alors, on pourra pas passer. Ah, c'est pas possible ça. Des fois on voit pas des trucs, enfin moi je vois pas des trucs tout con. Je vais ressauter d'un bout à l'autre du truc. Je me rends pas forcément compte. Ah ouais, maintenant qu'on a Pierce dans notre équipe, ça va être niveau soin là. On va se compléter avec Pavel. Hop. Hop. Oups. Je suis bourré. Ah oui, maintenant du coup on a Prima, il y a quelques trucs qu'on va pouvoir avoir qu'on pouvait pas avoir avant. Je sais, c'est très précis ce que je dis. Voilà. Ouais. Ouais. On part là. Voilà. Et là, on va attendre l'autre côté. Oh, je me suis pas bourré de chemin du coup. Oh putain, j'aurais pas dû faire ça, je sais pas. Donc eux, par contre, ouais voilà. Ça retire tous les PV sauf. Ah, ça marche pas à chaque fois, hein, bien sûr. Mais ce serait chiant. Et eux, ils sont vraiment, ces monstres-là, très résistants, les démons rouges. Ils donnent pas mal d'XP, hein, je crois.
Ouais, sympa. Au pif. Loupé. Voilà. Et donc là, on va enfoncer ce poteau là. Tam. Et du coup, clac, celui-là il s'arrête. Enfin non, il s'arrête pas, il retombe. Et ça inverse le sens des trucs. Mais parce qu'il suffit de mettre un engrenage pour changer complètement le sens des trucs. Parce que les engrenages, vous avez compris comment ça marche. À chaque fois qu'il y en a un qui touche un autre, ça inverse le sens de l'autre. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc si on a deux, s'il y a deux engrenages, on en met un troisième, ça inverse le sens quoi. Si on a un quatrième, ça réinverse le sens, etc. Donc voilà, maintenant les trucs sont dans le bon sens. Il y avait une échelle au début là, je suis pas allé dedans je crois. À moins que je me trompe. Voilà. Et donc pour atteindre le djinn. Déjà hop. Pour atteindre le djinn, il faut sauter sur un des deux trucs que vous allez voir. Et ben, c'est vrai que c'est inversé maintenant. Un des deux engrenages roses. Parce qu'avant il remontait, maintenant il descend. Il descend vers l'étage inférieur. Alors, descendre vers un temps inférieur c'est un peu logique, sinon il monte. Mec, qu'est-ce que je fous? Alors, ouais, on passe par là. Là. Ouais, attendez, je fais n'importe quoi. Non, je vais faire ça, ça. Vas-y, saute. Voilà, les deux trucs roses là, il faut les atteindre. Je vais m'empresser de faire. Alors je sais pas si c'est celui de droite ou celui de gauche qui nous mène vers le djinn. Je parierai sur celui de droite. Vas-y, saute. Eh ben non, je me suis fait chier. Pour rien, c'était celui de gauche. Et merde. Donc voilà, comment perdre du temps sur une vidéo. Ok, déjà pas terrible. Mais bon, là j'exagère, c'est pas si mal celui-là. Je viens de la commencer en même temps. Oh putain, mais putain, ouais, ça passe vite en fait. Donc, ouais. Je me suis gouré. Donc, on va recommencer. On va prendre celui de droite. Non, de gauche. Regarde, je peux se retaper le truc du coup. Ah, c'est dingue, hein. C'est des sadiques quand même les créateurs. Là. Je dis ça pour tous les jeux que je fais, mais là c'est dégueulasse quand même de faire ça. Enfin, en même temps, c'est logique qu'il va pas avoir un truc, un seul engrenage, puis pour le djinn, quoi. Ça serait cool. Voilà, donc faut prendre celui de gauche. Mais en fait, que dalle en fait. Et comment on l'atteint ce con là? Ah voilà. Ah, il nous attaque. Mais il va rien comprendre à ce qui lui arrive. Lui. Ah oui, et ça c'est une nouvelle synergie aussi. Qui n'existait pas dans le. Dans le... Bon, il y avait le gaz déjà qui n'existait pas. Mais maintenant il y a des synergies d'eau sur une seule personne. Oula, vas-y, mollo. Ouh là là là. Ah. Et un petit djinn de plus. Voilà. Acier. Donc, on peut lui mettre acier. Et lui, on va lui mettre... Ah non, on peut pas. Faut que les deux autres en aient... Ah, il faut que tout le monde en ait 4, oh putain, c'est... Oh, dommage. Oh, oui, il est préféré faire deux soins mineurs que un soin majeur, ça coûte moins cher. Je sais pas si ça remet autant, mais bon. Les prières, je crois que c'est mieux que soins. Hein. Un peu logique, vu que l'eau, c'est censé être
mieux pour les soins. Voilà, franchement, c'est une équipe de soigneurs parce que. Qu'est-ce que je fais? Parce que. Déjà, Pavel soigne. Bien sûr, Pierce aussi. Mais en plus, Lina aussi peut soigner. Donc, sur les 4 persos, il y en a 3 qui peuvent soigner. Alors, où est-ce qu'on est là? Alors maintenant, faut continuer. Je sais pas par où. Le seul endroit où on n'est pas allé. Ouais, c'est par là, je crois. Ouais, voilà. Avant, on pouvait pas passer par là. Maintenant, on peut. Non, c'est par là. Ouais, c'est ça. Donc vous voyez là juste devant moi, c'est là qu'il y a l'entrée de la bouche du Gabomba. Donc là vous voyez l'autre qui fait encore ses prières. Petite cinématique. Enfin, je vais dessiner un peu plus. Voilà, et quand il envoie l'énergie, voilà ce que ça fait. Tac, à cause du fait que les chemins ne sont pas dans le bon ordre, ça ne marche pas. Voilà, bon, lui il s'imagine que c'est une vraie idole et tout, alors qu'en fait non. Voilà, et là en fait on va faire en sorte de l'aider pour que le joyau... Alors lui c'est un blaireau, t'as pas compris qu'on récupère l'or. En fait ils sont tous cons dans le jeu, si on leur explique pas. C'est quand même des boulets. Là c'est tout con, vous allez voir. Je vais passer les dialogues parce que c'est même pas la peine de le dire. Alors, vous allez voir, c'est tout con. Par contre, faut se dépêcher parce qu'il y a du temps en fait. Si ça loupe, c'est pas grave, on peut recommencer, mais bon. Autant pas perdre de temps. Voilà, alors, vous allez voir. Alors là, on va pousser celui-là. Attendez, je vais le mettre enfoncé en... Voilà. Voilà, il suffit juste que les deux trucs, le rouge et le bleu, touchent, enfin, aient un chemin pour y aller. Le reste, on s'en fout. Voilà. Après, on n'a plus qu'à attendre qu'il finisse son truc. Attendez, je vérifie. Ouais, c'est bon. Vous voyez, c'est ultra simple. Voilà, après, on n'a plus qu'à attendre. À 20 en fait. Quand il dit jusqu'à 20, je pense que c'est 20 clignotements des lumières là. Enfin, je suppose. Voilà, après il n'y a plus qu'à attendre.
On n'a rien d'autre à faire pour l'instant. Voilà. Eh ouais, dommage. Bande de boulets. T'aurais pas pu l'attraper, quoi. Voilà. Ce qui s'est passé. Non, mais comment soulever la statue? Là, vous allez voir. Voilà, je vous explique. Voilà. Et je crois qu'on va se quitter ici. Bah, il sera pas pensé de passer grand chose hein, du coup. Voilà. Donc, on va au fond du grand Gabomba. Voilà, on se quitte ici et on se retrouve à la prochaine. Allez, salut.